évidemment. C'est très sportif, mais différent. En fait, quand je faisais de la compétition, j'étais beaucoup plus dans un sprint et j'avais des objectifs, des résultats qui arrivaient beaucoup plus vite parce qu'on avait un championnat du monde, bah évidemment, tous les ans, etc. Donc, on se préparait, il y avait des compétitions et on ratait ou on gagnait. Et c'était vraiment blanc ou noir. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on peut travailler pendant des années, on voit les petits résultats et en réalité, c'est jamais perdu totalement. C'est-à-dire on peut rater une réunion, mais après, on en perd un client et on en gagne un autre, etc. Donc, c'est beaucoup plus comme un marathon par rapport à un sprint. Et évidemment, le sport a plus d'adrénaline que le monde de l'entrepreneuriat. Un meneur, c'est quelqu'un qui, avant tout, passionné, qui a une vision et qui arrive à le transmettre à ses équipes, parce que créer une entreprise et faire en quelque sorte faire des miracles, on peut pas le faire tout seul. C'est la différence avec le sport. Vu que j'étais dans un sport individuel, à partir du moment où je m'entraînais bien, je faisais des résultats. Si je m'entraînais pas, j'avais pas évidemment de résultats. Dans le monde de l'entreprise, ça ne dépend pas que sur le patron, et donc finalement il faut arriver que le patron soit le plus motivé possible, transmettre la vision pour que tout le monde soit passionné au travail.